L'initiative du président du Faso, produire 1 million de tonnes de riz par jour d'ici à 2021, est en passe d'être une réalité. Le ministère en charge de l'agriculture, bras technique de cette initiative, déroule dans toutes les régions du pays une multitude de stratégies pour inciter la production du riz. Des aménagements hydro-agricoles pour booster la production portent déjà des fruits dans la région du centre-ouest. Nous avons, sous instruction des autorités de notre ministère, pris un certain nombre de dispositions, à savoir d'abord recevoir des intrants, faire la situation des superficies qui devraient être mises en valeur. Et à ce titre, nous avons non seulement les espaces qui avaient été aménagés, qui tournent autour donc de 4700 hectares qui sont aménagés, qui ont été pratiquement mis en valeur de façon entière, mais également sur les espaces non aménagés. Parce que du fait de l'effort des populations, il y a un certain nombre de superficies également qui ont été accompagnées avec un certain nombre d'intrants pour que ces populations aussi apportent leur contribution dans l'atteinte de cette initiative. Et ces superficies non aménagées, mais qui ont fait l'objet de mise en valeur, tournent autour de 2700 hectares. Donc si vous faites le cumul aujourd'hui, en attendant que les chiffres soient entièrement bouclés à travers les recensements que nous sommes en train de faire, on se situe autour de 7 400 voire 7 500 hectares qui ont fait l'objet de mise en valeur au niveau de la région du centre-ouest. À Sabou, dans la province du Boulikiemdé, 365 hectares de terre sont mis en valeur. Avec une production prévisionnelle de 1 105 tonnes de riz, les coopératives des producteurs parlent de l'efficacité des moyens mis à leur disposition par le gouvernement. La pluie qu'on a eu dans l'exploitation de nos bâtons, premièrement, on a eu du petit matériel pour l'aménagement. Des brouettes, des pelles, des pioches pour l'aménagement. On a reçu des intrants, de l'engrais, du NPK et de l'urée. Le chef RAT a mis en place un champ d'école. Dans la province de la Sicile et du Saint-Guyé, les producteurs sont à pied d'œuvre. Les superficies mises en valeur ont connu aussi une augmentation considérable. La vision du chef de l'État a poussé des productrices à se réorganiser pour mieux produire le riz. Nous sommes le président de la Nous avons essayé d'utiliser deux variétés de riz pour que nous puissions s'en sortir, avoir quelque chose à manger. Voilà, nous avons FKR19 et FKR45. Nous avons 51 hectares de riz aménagés cette année. Boukari Sawadogo est un producteur dans le Ziro. Il s'est senti concerné par cette initiative. Il a réservé une part importante de ses terres à la culture du riz pluvial. Mamira tumda kama la mwa inje hamti pa hana wala tenga na abratan to komuye rinki tumame nya kobna namsa to wili ti bumbu dumbe to bas bonti ska 45 la boni nda mu yinga ko me tumna mam salame inje to be tumna nya amna. Si les rizières présentent une bonne physionomie, c'est grâce à l'accompagnement technique des agents d'encadrement du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles. Il s'est agi de l'accompagnement technique, c'est-à-dire les semis. Il faut dire qu'un bâton doit être semé en ligne, ça c'est la première des choses. Ensuite, les opérations d'entretien, ce qui veut dire l'application du NPK, 2 semaines plus tard. Ensuite, ça suivi de l'application de l'urée, 15e jour après le premier 15e jour, c'est-à-dire que les 30e jours. En plus de ça, il y a les autres entretiens, si besoin est. Ce qu'on peut ajouter encore, c'est l'appui-conseil, c'est-à-dire la sensibilisation pour l'entretien des ouvrages. Pour cette campagne agricole 2020-2021,
L'objectif des producteurs de la région du centre-ouest d'accroître les rendements à l'hectare est atteint. Ils plaident pour la pérennisation de la subvention des tracteurs pour une sécurité alimentaire.